Et salut les amis, et on se retrouve pour du Minecraft. Alors, pour l'occasion, Left 4 Dead 2, j'ai mis mon skin d'Homer Zombie. Trop cool. Alors, donc, ça va être notre nouvelle aventure sur Minecraft. Alors, vous voyez que c'est déjà construit, que je suis en créative. Mais ça c'est juste parce que c'est le début, hein. Plus tard, bon c'est pas encore maintenant, mais plus tard on sera en survie. Donc en fait c'est une nouvelle map. Hop, avec... Ah dommage, j'aurais peut-être dû attendre qu'il fasse... Ah ça va, il y a la nuit qui va se coucher. Donc normalement, bon là vous pouvez vous en douter, hein. Quand on sort du bâtiment et qu'on a de la... et si on a de la chance que c'est la fin de la nuit ou la fin du jour, on voit le jour qui se couche sur le monument là-bas. Donc ça sera la prochaine map, mais pas avant un moment, du serveur. Parce que bah, la map du serveur commence à faire ancienne quand même. Elle date quand même de la 1.7.3 quand même, hein, donc bon. Elle est pas nouvelle. Alors que là, au moins, elle est toute neuve. Et j'ai déjà commencé à construire les bâtiments, mais je les ai pas encore aménagés. Aucun bâtiment n'est aménagé. Il y a juste légèrement celui-là où il y a un petit truc de... Là, de... Un petit tapis, un peu de plantes, et puis il y a une terrasse. Donc là, le bâtiment où on est, ça va être le bâtiment principal. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de mettre mon chrono. Attends, je l'ai pas sous la main. Bon bah tant pis, on va essayer de faire à l'arrache. Donc il y a encore aucun bâtiment où, à part un, où je sais, bah si, celui-là aussi, mais tu vois, c'est normal, ça sera le bâtiment où on spawn et où il y a toutes les règles et tout. Et il y a un deuxième bâtiment qui est le port, forcément là, ça peut être que ça, hein. Donc vous voyez, il y a pratiquement aucun. Et puis si celui-là, mais celui-là il est encore loin d'être terminé. Vous dites, waouh, il est immense. Mais c'est parce que ça va être... Tadadadam. Oh, d'ailleurs, ça prend un peu de place, ça. Tadadadam, ça va être l'arène. Ah, c'est sûr que ça fait géant. Donc en fait, l'arène va être divisée en deux parties. Une partie joueur vs joueur. Et une partie joueur vs vs monster. Après de quel côté machin, je sais pas. Et donc là en fait, on voit qu'il y a des piliers, c'est normal. L'arène en fait va être au-dessus, va être au-dessus de ces piliers. Et en dessous en fait c'est une, je pensais faire une zone commerciale. Donc là aussi, mais c'est pas terminé encore. Donc là, ma magnifique statue de Homer. Là, j'ai pris celle de Homer roi, avec une masse à la main droite et une masse à, une hache à la main gauche. Et donc là, bon, c'est pour des feux d'artifice, hein. C'est normal. On voit que là, accès interdit sauf aux animateurs. Donc ça, c'est la place principale de la ville et le monument. J'ai quand même passé un petit moment à le faire parce que à chaque fois il y avait de l'eau qui se barrait, etc. Et donc je vous ai dit aussi que ça allait passer en survie, pas avant un moment, mais ça allait passer en survie. Comme je vous l'ai dit, ça va être la prochaine map du serveur. Et le truc c'est dans la présentation. Ah ouais, la magnifique. Bah, elle est pas magnifique, mais. Voilà. La fontaine. Bah, la fontaine, la cascade, je veux dire. Et je vous avais dit pendant la présentation du serveur de l'autre fois que c'était un serveur où on. Bah, les ressources, on les recherchait nous-mêmes, etc. Et ça, bien sûr, ça a été fait en créative, bien sûr. Mais tout a été calculé pour que les
les ressources qu'on a utilisées, vous dites, mais purée, mais il n'y avait pas autant de cobble pour faire tout ça. Si, c'est juste que sur la vidéo, on voit pas la géante muraille. Je vous la ferai voir plus tard, pendant une petite vidéo rapide. Ou peut-être juste à la fin de la vidéo, je sais pas. De toute façon, ça va être chaud parce que je sais même pas combien de temps elle va durer cette vidéo-là. J'aurais dû prendre mon chrono. Je vais peut-être devoir la refaire. Oh non. Bon, j'espère pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc tout a été calculé pour que chaque ressource soit. Donc normalement j'ai assez pour un long moment encore. Puis en cobble, de toute façon en cobble ça va. Et puis on avait encore énormément de cobble dans les coffres aussi. Qu'on pouvait pas voir dans la vidéo. Forcément, on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans les coffres. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup dans les coffres. Il y a énormément. Ah, la musique de Minecraft, super. Ça, j'en suis plutôt fier quand même. Bon, de l'intérieur, pas trop. L'intérieur, il est pas extra. Il est pas très joli, ça fait un peu bizarre, je trouve. Mais de l'extérieur, je trouve qu'il est magnifique ce pont. Ça, vous vous dites, mais à quoi ça sert? En fait, c'est pour faire comme des poubelles. Des poubelles publiques, municipales. Ça, c'est des petites plantes, voilà. Avec des murets sur les côtés. Là, hop. Bon, les plaques de devant, je sais pas si je vais les laisser, puisque avec les monstres, bon. D'ailleurs, là, pour l'instant, il n'y a pas les monstres, mais bon, ça sert un peu à rien, puisque je suis tout seul et on est en créative. Voilà. Ça sert un peu à rien. Donc je fais juste cette vidéo pour vous présenter un peu tout et peut-être je sais pas Ah oui c'est vrai j'ai aussi donc il y a une autre ville un truc que je voulais vous faire en même temps pendant le truc de je m'étais dit peut-être que si j'avais le temps pour l'amélioration de d'une cave. Mais j'avais pas trouvé de village de PNJ. C'est une amélioration en fait de village qui rend plus joli. Donc là en fait. Donc je vous montrerai ça dans la map. Dans une prochaine vidéo. Dans la map. Donc toutes les transformations qu'il y a dans la map. Donc de test et tout. Donc là par exemple c'est le puits. Si je vous rappelle, au début, il y a juste... alors, le puits, si je me rappelle bien, il y a juste ça qui est de la cobble. Là, c'est des barrières. Et il y a un léger toit en cobble aussi. Un truc de 4 cubes pour faire le toit. Alors que là, vous voyez... Donc, je vous montrerai toutes les améliorations. Là, c'est un... Oula, ça bug. Ah ouais, tu m'étonnes. 2 FPS. Oula. Ah, attendez, je coupe. Voilà, ça voulait pas relancer. Ça tombe, ça a fait plein de vidéos d'un coup. Bon. Là, au départ, c'était un champ. Bon, il était de la même taille, mais... c'était quand même assez différent, comme il n'y avait pas de passage de cobble là. Il y avait de l'eau ici. Bah, je crois qu'il y avait de l'eau. Non, ou c'était des bûches qu'il y avait ici. Là, tout autour, ici, c'était des bûches. Il y avait pas de barrière. Il y avait même pas de barrière ici. C'était, il y avait ni de muret, ni de barrière, ni de bloc. Là, la forge, voilà, avec un étage. Au départ, c'est juste des trucs de demi-dalles qui sont posés au-dessus. Il y a ni de, il y a pas non plus d'enclume. Et l'intérieur, ah oui, puis j'ai en même temps mis un petit villageois dedans et essayé de le bloquer. C'était long pour trouver un. J'en ai fait pour pas mal de bâtiments, mais bon. Je crois que j'ai pas tous fait. J'ai aussi mis les enseignes. Je vais vous montrer aussi ce qu'était. Ah oui, et puis ça, il n'y avait pas non plus. Ça, il n'y avait carrément rien là. Hein. C'était pas du tout. Et puis j'ai mis un enclos pour animaux. Ces maisons-là, par exemple, au départ, il n'y a pas d'étage.
Quoique celle-là, je l'ai peut-être fait moi-même. C'est possible que je l'ai fait moi-même. Mais par exemple, alors attendez. Là, pareil, celle-là, normalement, il y a juste des barrières qui font le tour, je crois. Et il n'y a rien d'autre, alors que j'ai aménagé, j'ai mis des murets avec un toit. Et puis des barrières. Celle-là. Voilà, celle-là, normalement. C'est vraiment celles qui sont toutes moches. Bah, de toute façon, je vous montrerai les maisons dans une prochaine vidéo. Donc, de avant et après. Donc, ça là-bas, c'est vraiment les maisons toutes moches avec un toit en bûche là. Et bah, voilà ce qu'on peut faire en les transformant en bien. Ça, pareil, je l'ai rajouté. Il y a des trucs que j'ai rajoutés moi-même. C'est pas des trucs qui étaient dans le village. Ça, c'est une maison que j'ai fait moi-même aussi. Elle est bien trop grande pour que ça soit fait. Il y a celle-là que j'ai. Celle-là, je suis pas sûr si je l'ai fait moi-même ou pas. Bon, si, vu la grandeur. Bon, je crois que je vais déjà vous quitter là. Juste, je vais vous montrer une. Pour. Le truc. Alors, attendez. Bon, ça c'est juste pour me repérer, hein. Même si je connais par cœur, mais bon. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer par deux photos. Par contre, il y a l'une des photos, donc celle qui montre maintenant, elle est pas tout à fait à jour, hein. Le truc de l'arène est loin d'être à ce niveau-là. Il n'y a pas le port, je crois. Bon, bref, c'est pas exactement pareil, mais bon, ça montre déjà comment ça a changé, parce qu'au départ, c'était loin d'être comme ça, hein. C'était que de la forêt ici. Quand je vous dis que de la forêt, c'était que de la forêt, hein. Voilà, c'était tout partout. On voit encore des bûches en feu. Bah, pas en feu, mais qu'ils étaient en train de brûler, qu'ils ont pas fini de brûler. Mais c'était vraiment, même ici, hein, c'était que de la forêt. Tout là, c'était que de la forêt, il y avait plein d'arbres. J'ai tout éradiqué. Bon, à part là, là, il n'y en avait pas. Mais sinon, tout ici. Oh là, ça rebug à nouveau. Oh là là. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'était avant. Donc je vous laisse là les amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On fera, bah on commencera à aménager un peu les bâtiments. Je pensais surtout aménager les bâtiments, bah le bâtiment principal. Commencer par ça. Et après, bon, bah, on verra ça dans d'autres épisodes, hein. Donc les amis, je vous dis à plus sur les deux photos de avant et après.